La Direction générale de la prévention du sida a organisé ce mercredi 23 octobre 2024 une séance d'information et de sensibilisation à l'agence gabonaise de presse AGP dans la commune d'Akanda. Destinée aux professionnels des médias, cette initiative vise à renforcer leur rôle dans la lutte contre le VIH-SIDA en les outillant pour mieux informer et éduquer la population. Le principal déjà, c'est de se dire que on doit se préserver pour éviter de contracter la maladie. Que ce soit le VIH-1, le plus connu, le plus répandu, le plus agressif, que ce soit le VIH-2, l'important pour les populations, c'est de préserver, de prendre les précautions nécessaires et utiles afin de se prémunir et de protéger leur entourage. Et apporter le message de sensibilisation, de prévention et demander aux populations que la maladie existe bel et bien. Il est utile de faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter la contamination de la maladie autour de nous. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout commence par le test de dépistage. Le test de dépistage ou le dépistage tout court est la porte de la prévention. Les intervenants ont souligné l'importance d'une couverture médiatique responsable et précise pour réduire la stigmatisation et la discrimination afin de favoriser l'accès aux soins. La stigmatisation, c'est le fait de pointer du doigt, tout simplement. C'est-à-dire que quand on sait que vous êtes sur le positif, on parle de vous partout, vous passez par là, on pointe du doigt, on dit « Ah, madame X, monsieur Y, a le VIH ». Et la conséquence de la stigmatisation, c'est la discrimination, c'est-à-dire la mise à l'écart. Or, être sur le positif, quand on est sur le positif, on est toujours utile à la société. Donc, la question d'informer, de former même les médias pour les outiller sur les questions de VIH afin de leur permettre de nous accompagner en donnant des informations précises sur la maladie. L'administrateur directeur général de l'AGP a salué cette initiative tout en appelant à une collaboration plus soutenue entre les deux institutions pour renforcer la lutte contre ce phénomène. Nous avons été très, très, très heureux de suivre ces messages de sensibilisation sur le VIH-SIDA. Nous partons bien édifiés sur les risques, les conséquences. Il faudrait que cette collaboration se poursuive chaque année. Nous avons besoin de vous et nous espérons vraiment qu'avec la DGPS, l'AGP a trouvé là un bon partenaire pour sensibiliser son personnel. Cette campagne de sensibilisation marque une étape cruciale dans l'engagement des médias à accompagner les autorités sanitaires dans la lutte contre le VIH.